Après la Grande Muraille de Chine, le Machu Picchu au Pérou et le Taj Mahal en Inde, nous rêvions de soleil et de sable chaud. Nous mettons donc le cap sur la Martinique, une petite île paradisiaque nichée au sud de l'archipel caribéen. Rendez-vous est pris donc au Carbet, une petite commune située sur la côte nord-ouest caraïbe de l'île. Cette commune assoit sa réputation sur ses activités nautiques et ses visites à la rencontre de la biodiversité marine. Sans oublier bien sûr ses larges plages de sable blanc et l'exceptionnelle vue sur la mythique montagne Pelée. Sur les recommandations de spécialistes, nous rejoignons un groupe connu de tous ici, pour sa connaissance pointue des meilleurs coins de l'île et surtout pour son cri légendaire. Walala, walala ! Oui ! Walala, walala ! Oui ! Alors que nous pensions visiter les immenses plages de la commune, le commando nous prend à contre-pied en nous proposant une virée en forêt. L'étonnement est total. Dès le début, l'ambiance est fixée. Le cadre est boisé et végétalisé à souhait. Et pour ne pas nous déplaire, le parcours semble sportif. Direction la cascade Toboggan du Carbet. Le chant des oiseaux, le clapotis de l'eau cherchant son chemin à travers d'énormes blocs de pierre, nous transporte brutalement et dans un autre monde. L'expédition s'engage alors par la remontée du cours d'eau de la rivière du Carbet. Sur notre parcours, des manguiers géants. De magnifiques touffes de bambou. Et surtout ces arbres gigantesques et certainement millénaires qui tutoient le ciel tout là-haut. Le parcours est plutôt ludique et ne présente pas de difficultés particulières, même si quelquefois, il faut traverser des gués plus ou moins profonds. Ici, on a l'impression que le temps s'est arrêté, ce qui donne au lieu un air de forêt primitive ayant gardé son aspect climatique d'origine.
en choisissant la destination Martinique. Nous n'avons jamais pensé un instant à un tel dépaysement. Cette magnifique forêt tropicale, elle doit faire l'objet, à notre avis, d'une protection étroite. On voit beaucoup de bambous, il y a beaucoup d'espèces à découvrir. Je ne les connais pas toutes, mais il y a de quoi pour les connaisseurs. Je pense aussi qu'il doit y avoir beaucoup de plantes médicinales. C'est dommage que ça fait partie des choses que je ne connais pas, mais en tout cas, il y a de quoi faire. La forêt, elle est luxuriante. Ça, et puis après, bon, c'est normal, hein, puisque vu qu'il y a la cascade, donc elle est bien alimentée. N'oublions pas que la Martinique, cette petite île de 1000 km², elle fait partie des 36 hotspots mondiaux de la biodiversité. Sa richesse incroyable est méconnue. Après 45 minutes de marche soutenue et sous le regard étonné des résidents, le commando arrive enfin au toboggan. L'émerveillement est total et comme à chaque fois que le commando atteint son but, il pousse son cri qui résonne bruyamment dans cet écrin de verdure perdu, mais ô combien magnifique. Pour une surprise, c'en est une. Et c'est probablement un des plus beaux endroits que nous ayons eu à visiter ces derniers temps. La cascade Toboggan est un lieu, oui, et même plus encore, un site magnifique destiné à la baignade, à la randonnée en famille et pour un dépaysement total. Les chutes d'eau successives méritent vraiment d'être admirées, car elles forment en réalité un véritable toboggan et naturel. L'eau sortie de la montagne a sculpté une œuvre d'art. Le dernier bassin, bien que d'une profondeur de plus de 3 mètres à certains endroits, permet de se baigner tranquillement. La température de l'eau sortie des entrailles de la terre est glaciale. Mais quel bonheur! En chef de troupe, Moïse, le bien nommé, après moult hésitations, il se lance le premier dans l'aventure. Et sous le regard inquiet de ses disciples. Rassurée, Chloé se lance à son tour. Ce jeu enfantin et original semble plaire à toute l'équipe, même si tout le monde n'est pas totalement détendu. We'll be right back.
Nos amis ont dompté cette merveille de la nature. Ils se sont amusés comme au meilleur moment de leur plus tendre enfance. La cascade toboggan du Carbet est une cataracte qui a creusé son lit entre les parois rocheuses et tourmentées de la montagne pour offrir à la Martinique un petit air de paradis. Il est certain que nous n'oublierons jamais cet endroit niché en pleine forêt et loin de tout. Ah, qu'il est bon de voir la joie de nos amis. Et peut-être, pourquoi pas, de ce toboggan façonné par la rocaille, l'eau et le temps. Notre pays est joli, messieurs. Ah ouais, il faut. Ah ouais, ça c'est bien. Et puis en plus de ça, on rencontre des fruits sur le chemin. Ah ouais, bien lavé, allez, à déguster.